Mais bon, allez, Battle Royale, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Ça me saoule, franchement, mais vraiment, honnêtement, ça me saoule, genre. Merci. Regardez ce qu'il y a là. Non, c'est de l'autre côté. Ça commence le 1er décembre, hein, et je vous mettrai sur le Discord chaque jour la figurine que j'ai en photo. Donc voilà, si ça vous intéresse, voilà, ce sera dans le Discord chaque soir ou matin, ça dépendra quand je l'ouvre. On n'oublie pas non plus de remettre le code créateur USK dans la boutique. Mec, c'est obligatoire. Voilà, donc je vais vous la présenter un peu pour ceux qui n'auraient pas vu des vidéos sur YouTube, parce qu'elle n'est pas encore sortie, en fait elle sort mardi, mais il y a un glitch pour l'avoir en mode créatif. J'ai pu la tester tout aujourd'hui, contre Itoki notamment. C'est un vrai régal, elle tire un peu lentement, mais elle est tellement précise. Et c'est surtout qu'elle fait les dégâts, en fait c'est exactement le fusil d'assaut lourd, comme celui d'avant. D'ailleurs il va sûrement venir du coup, mais c'est la version légendaire et elle est vraiment trop bien. Donc dans le corps il fait 46, la version légendaire évidemment il y en a, il y a d'autres versions. Et dans la tête, 92. 92 du coup. Donc en fait franchement elle est cheatée parce que faire 92 dans la tête alors qu'elle est super précise, c'est totalement abusé. Hein. Merci NRS eSport de te follow et bienvenue dans le Sushi Gang. Ouais, du coup je rappelle un petit concours pour un grade mini VIP sur le serveur Discord aux 50 abos Twitch, on est à 46. N'hésitez pas à faire de la pub à vos potes s'ils aiment Fortnite ou n'importe quel jeu. Ah, bienvenue Pato. Vas-y, relance un boutique d'objets. Pourquoi il y a un bouton? Mais ils veulent vraiment trop vendre Fortnite, c'est insane. Pourquoi il y a un bouton boutique d'objets sur le menu fin de partie? Bah oui, j'ai cliqué dessus. Non, ça, ouais, parce que c'était pas, en même temps c'était fort dans ce mode, c'est logique. J'arrive vers... Quoi? Il a tiré, je suis mort après qu'il ait tiré. J'ai rien compris, mec. Il a tiré, je suis pas mort et je suis mort après. J'ai vraiment pas de chance, c'est... Eh, attends, va casser le... Va à gauche, va casser ça. Ça donne 100 chill maintenant. C'est totalement abusé. En plus, on peut le one-shot, donc tu peux te prendre 100 shield en plus rapide que n'importe quel shield. Regarde, prends un escalier et quand le camion est jaune, voilà, et là, 50. Bim. Pour ceux qui connaisseraient pas Battle Breaker, c'est le nouveau jeu d'Epic Games. Le concept il est très simple. En fait, je vais vous montrer ça sur... par exemple, déjà, il y a les éléments. Les éléments, c'est super important parce qu'il y a des éléments qui se contrent. Par exemple, là, c'est l'élément lumière. Pour détruire plus facilement l'élément lumière, il faut utiliser l'élément ombre. Donc, par exemple, celui-là, je vais changer, je vais prendre un élément ombre. Voilà. Après, il y a la feuille qui se fait battre par le feu qui se fait battre par l'eau qui se fait battre par la feuille. Ça, c'est comme d'hab. La lumière bat l'ombre bat la lumière. Ça, c'est ce qu'il y a à savoir pour les éléments. Et pour ce qui est du coup du mode de jeu en lui-même, vous avez toute une map avec des cristaux. Le but, c'est de les casser. Seulement, des fois... Il va falloir jouer stratégie parce que des fois des monstres vont sortir. Il y en a des simples, comme s'il y en a un qui peut apparaître, ce serait bien. Comme ceux-là, ils sont très simples. Tu prends l'élément qui va avec, tu le détruis. Voilà. Bon, il a un peu plus de vie que prévu. Mais voilà. Mais il y en a des plus durs. Par exemple, les trois là, comme ça, souvent c'est des boss. Ça peut être des portails, des trucs, mais c'est souvent des boss. Là par exemple, voilà, c'est un boss. Donc j'aurais pas dû l'activer maintenant, mais c'était pour vous montrer. La stratégie, c'est tout détruire avant d'activer le boss. Hein. Mais il y a aussi le mode automatique qui joue pour vous. C'est super pour farmer. Hein. Moi, honnêtement, j'adore laisser Battle Breaker ouvert dans un coin. Aussi, au niveau des personnages, il y en a de tout type. Moi, j'ai 4 personnages de Fortnite. Et ils sont super forts. Enfin, c'est génial, genre qu'il y ait eu un partenariat entre les deux jeux d'Epic Games. Donc ouais, c'est génial. Donc par exemple là c'était un élément lumière, donc je l'ai tué avec Expert des câlins qui est élément ombre du coup. Et voilà, et ça c'est le portail pour sortir. On n'est pas obligé de tout détruire pour sortir tant qu'on a trouvé le portail. Moi je préfère tout détruire, un niveau complété à 100% rapportera plus de pièces et plus de ressources à la fin. Donc là par exemple ça brille un petit peu. Ça veut dire que du coup il y a voilà, des zones comme ça. Ça possède soit des clés, soit de l'XP, etc. Et les clés ça permet de sortir à certains niveaux. Donc là ça nous indique par exemple l'endroit où se trouve le portail. Donc si on veut pas tout casser, on se dirige sur le portail. En ayant de la chance pour pas tomber sur des bots, sur des monstres, malheureusement on n'a pas eu cette chance. Donc voilà, on les tue, hein, normal. Par exemple là c'est un élément de feu, donc j'ai balancé l'eau, ça l'a one shot parce que c'est totalement abusé. Donc en fait à la fin, c'est peut-être dur à comprendre pour vous au début. D'ailleurs moi j'ai mis longtemps à comprendre. Mais ça c'est des familiers, hein, je vous expliquerai peut-être plus tard. Donc oui, c'est pas simple à comprendre. Mais ce qu'il faut savoir c'est que là si j'ai envie de partir de cette salle, je peux. Mais je préfère tuer tous les monstres. Comme je vous ai dit, ça rapporte mieux.
Sauf si je vois que mes persos sont tous en train de mourir un par un. Là, je vais penser à partir parce que j'ai pas envie de perdre, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas. D'ailleurs, vous pouvez me soutenir en créateur même sur ce jeu. Pas pour le moment, je suis en train de régler le problème avec Epic Games en direct. Parce que mon code marche pas sur Battlebreaker. Et sachant que on doit choisir dès le début, si vous voulez me soutenir, lancez pas tout de suite le jeu. Je vous préviendrai sur le Discord dès que mon code remarchera. Alors ça, c'est chasse au trésor. C'est super bien. Parce qu'en fait, il y a que de l'or. Et du coup, ça vous fait gagner de l'or en masse. Vous pouvez casser tous les cristaux. Par exemple, je vais activer la base de Kyle. Voilà, ça casse plus vite. Et donc oui, vous êtes sûr d'avoir que de l'or. Donc c'est super bien pour farmer. C'est rare. C'est très rare. Mais quand vous en avez, c'est cool. Donc moi, je suis content que ça apparaisse là comme ça. Ça permet de vous montrer. Ah, mais le jeu, il est... Donc ça, c'est une tourelle. Ça fait extrêmement mal. Donc va falloir vite la détruire. Mais oui, sauf qu'il faut d'abord dégager le chemin. Non mais c'est totalement abusé. Ok, maintenant on peut l'agresser. C'est la cible première. Vous voyez une tourelle, vous faites tout pour la détruire. Donc là par exemple, je vais balancer le pouvoir Boogie Woogie parce qu'il fait énormément de dégâts. Il y a aussi elle. Elle, c'est mon super pouvoir préféré parce que regardez. Un régal. Totalement abusé. Je sais pas si ça vous intéresse, c'est un petit live comme ça sur Battlebreaker, mais en général c'est cool. De faire découvrir des jeux, enfin je sais pas, moi j'aime bien faire découvrir des jeux. Bon, ça se trouve vous connaissez déjà, mais pour la plupart je sais qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs pour le moment sur le jeu. J'ai atteint d'ailleurs le top 100 mondial pendant un moment. Là je l'ai perdu parce que j'ai pas trop joué hier. Mais je pense que je peux le récupérer. Je vais juste ouvrir à mon chien. Allez, viens. Viens. Il est beau. Tu leur as demandé quoi, Epic Games? Bah en fait, mon code créateur marche pas dans leur nouveau jeu Battlebreaker. Alors que, enfin, je sais pas pourquoi, donc je leur ai envoyé un mail pour qu'ils règlent le problème. Et ils m'ont répondu, ils m'ont dit de vérifier mon adresse mail. Ça, ils demandent à chaque fois pour être sûr qu'ils parlent bien au mec à qui appartient le code. Et maintenant, ils me répondent plus. Bah, je pense qu'ils essayent de régler le problème. Ah oui, aussi, il marche pas en créatif. Normalement, en créatif, quand on publie une île, on peut utiliser le code juste en appuyant sur une touche. Et moi, ça affiche pas. Du coup, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est dû au fait que j'ai changé mon code qui était un sushi kawaii et qui maintenant est USK. Voilà, ça doit être des trucs qu'ils doivent réparer vite fait. Déjà que moi, parce qu'en fait, les créateurs gagnent 1$ par boss tué, sachant qu'il y a 3 boss, enfin juste par les 3 premiers boss. Donc on peut gagner 3$ par joueur. Mais c'est le truc que là, je me laisserais déjà donner les 3$. Et en fait, juste j'aurais bien aimé grâce à moi-même me payer le pass de combat qui coûte 5€ et du coup je l'ai pas acheté. Mais sur mes deux comptes, j'aurais fait les 3 boss, j'aurais gagné 6$ et j'aurais pu, donc à peu près 5€, j'aurais pu me payer le pass. Du coup j'ai pas pu et j'ai le seul. Mais c'est pas grave. Parce que bon. Au moins il marche sur Fortnite, du coup n'hésitez pas. Tu veux le pass de combat sur Battlebreaker, ouais, il coûte 5€, mais je veux pas 5€ à mettre là. Mais bon, allez, Battle Royale, c'est bon, j'ai compris. Merci. Mec, désolé, je sais pas quoi dire, mais c'est mon premier don en fait. Oh merci. Ah bah je veux lâcher dès ce soir, genre. Mais je sais pas comment te dire merci en fait. Ah merci, ça fait plaisir. En plus, j'avais pas OBS d'activer, juste entendu le son. Je retourne sur OBS, il y avait plus l'animation. Je regarde sur le rendu de mon live, je vois l'animation en retard. Je suis en mode yes. Bah merci beaucoup, hein, du coup. Salut Skaito, merci du follow. Oh, mais du coup, il manque que 2 follow. M'a fait peur. J'aime pas sursauter là comme ça. Ça me met dans un mauvais mood après et du coup je meurs dès le premier ennemi. Il me fait stresser. Mec. Regarde-moi dans les yeux. T'as mon skin. Ce mec m'a volé mon skin. Jade la rouge. Dans la description il y a marqué skin officiel d'un sushi kawaii ne pas porter sous peine d'être banni. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est la description du skin. Faut que je contacte Epic Games et que je leur demande de vraiment changer la description. Parce que là, ça a plu, les gens ils respectent pas ça. Oh, il va être chiant ce fight. Oh
Oh mec, ça je veux un clip. Là je veux un clip. Je l'ai tellement brain. Elle est vraiment trop belle cette pioche par contre. Et puis en plus sa rareté fait qu'augmenter sa beauté. C'est philosophique ça comme phrase un peu, non? Je sais pas, mais en tout cas c'est stylé. Sa rareté ne fait qu'augmenter sa beauté. Un sushi kawaii. 22-11-2019.